see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do. They're really saying, félicitations. I hear babies cry. I watch them grow. They're like much more than I ever knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. Bonjour, bonjour à Karine. Voilà, c'est rien. On est beau en naturel. C'est pas méchant. J'ai deux femmes dans les bras. Il me manque deux verres. Le black, le black. Ça va? Je suis Alexandra et Zara. Si. Amazon a fourni un livre de... D'ailleurs, tu as un éventail. Voilà. Quelques secondes ou minutes d'attention. Tout d'abord, je vous souhaite la bienvenue. On vous souhaite, Charlotte et moi, la bienvenue à tout le monde, les amis, la famille, et voilà, tous ceux qui sont là. Ça nous fait fort plaisir. Comme je suis pas du tout un grand orateur, ben je vais passer directement la parole à Charlotte, qui fera ça beaucoup mieux que moi. Merci. Donc il semble que vous avez entendu quand même. Hein? C'était assez fort quand même. Le son y est, oui? D'accord. Le son y est. D'accord. À chacun son métier, hein, pour répondre à Ephraïm. Donc bonjour et merci pour votre présence, nous en sommes très émus évidemment.
le programme du jour. Après l'apéro cocktail, nous voici assis pour le plat principal que vous avez choisi. Sachez qu'il y a un upgrade pour le poisson, que ce n'est plus le Saint-Pierre, mais ce sera le Turbo. Pour le reste, tout est sous contrôle pour que vous receviez la cuisson de votre viande comme demandé, et le plat végétarien est aussi au menu. Mais avant le service principal, vous devrez subir notre discours. On va en profiter hein, quand même. Vous vous demandez tous certainement pourquoi cette date et en plus à Knok. Vous savez peut-être que nous avons fêté à la Costa del Sol en mai dernier mes 70 ans, les 76 ans d'Ephraïm et les 30 ans de notre mariage religieux qui se sont déroulés 5 ans après notre mariage civil qu'Ephraïm voulait organiser comme une surprise, raté pour l'effet surprise. En tout cas, pour le reste, on tient la route. Alors que fêtons-nous ce jour? Bien sûr, nos divers anniversaires version belge et nous avons choisi ce 28 août. Car c'est probablement inattendu pour la majorité d'entre vous. Aujourd'hui, notre kiwi a 16 ans. Accompli. À partir de demain, il commencera sa 17e année. Spooky, sa fiancée, ici en rose. Sa fiancée en rose. Habitait dans une maison voisine. Elle nous a choisis. Où elle a choisi Kiwi. Elle vit désormais avec nous à temps plein. Elle a eu 8 ans il y a 2 semaines. Mais pourquoi Knok? Knok fut la destination de compensation pendant les années Covid. Nous y sommes très heureux et y revenons le plus possible. Je ne pourrai pas vous nommer tous, même si vous êtes tous dans nos cœurs. Cependant, si je vous nomme pour une raison ou l'autre, merci de lever la main pour qu'on puisse vous identifier. Ephraïm ou Henri? Tu lèves la main? Son nom officiel, c'est Henri. Hein. Et il est aussi connu comme Monsieur Axis Park ou Monsieur Livaxis. Et quand ses assistantes ont terminé leur journée, parfois ou plutôt souvent, je suis réquisitionnée pour assumer des emails, des scans. Parfois, il est minuit et ou c'est pendant le week-end. Je ne m'en plains pas. Je me sens alors encore utile professionnellement. Nous sommes liés à plusieurs familles par nos chiens et leurs descendances. Un frère de Kiwi a aussi atteint l'âge de 16 ans aujourd'hui. C'est Rocky qui fait aussi le bonheur de notre ami Norbert. Plus haut la main, plus haut. Norbert et de ses fils Rafi. Et Michael, où il est Rafi? Ah, mais tu te caches. Notre cousine Hélène. Plus haut. A eu Mocha. Nos amis Jacqueline et Joss ont eu Spirou. Sandra et Marco, ils ne sont pas là, ont eu Roxy. Nous n'avons pas eu d'enfants, mais nous avons eu 3 nichés et 27 chiots. Les premiers, ceux de Tarzan et Jane, qui étaient de pure race, Irish Softcoat et Whitten Terrier, ont été vendus au profit du Karen Ayasot. Les chiens aussi apportent du bonheur. En tout cas, ils nous obligent à les sortir, donc à prendre l'air, ce qui est bon pour la santé, la leur et la nôtre. Un chien vous comprend. Il vous aime sans rien attendre en retour. Il vous écoute et ne vous contredit jamais. Il vous accueille avec joie quand vous rentrez à la maison. J'espère que ces quelques jours à la mer leur auront aussi fait du bien. Il y a un diaporama qui tourne avec plus de 250 photos de famille et qui marque certains événements.
ça tourne en boucle, donc si vous en ratez une, elle repassera probablement un peu plus tard. Puis Ephraim. Tu lèves la main. Voilà. Puis Ephraim, qui est, il préfère ce prénom-là, qui est indépendant depuis le début de sa carrière d'ingénieur en construction, m'a convaincue de me lancer comme indépendante. Je n'avais pas vraiment vu l'esprit d'entreprise dans ma famille. Mes parents, Zironam et Bracha, se reconstruisaient à la sueur de leurs bras sur les ruines de la Shoah. Alors en 91, je crée ma société de relations publiques au niveau européen. En 2 ans, je réalise le break-even. C'était dingue. Ici présente de cette époque, Cécile Vermeeren. qui fut une des attachées de presse en charge de l'Italie et de l'Espagne. Sharon Jérusalemi a assuré les contacts avec les Anglais, car les Anglais se comprennent mieux entre eux. Ils comprennent leur humour, leur sens, leur dialecte, bref. Depuis son retour en Israël, avec son mari Raphaël, que vous entendez régulièrement sur I24 et d'autres chaînes d'information, elle a lancé une société Fancy Fans. C'est elle qui a réalisé les éventails que nous avons offerts aux femmes aujourd'hui. Et vous pouvez lire la note qui explique le langage des éventails. Attention, intéressez-vous, c'est excellent pour la drague. À lire donc, hein. C'est compris dans la pochette. Hein. Attention comment vous tenez votre éventail. Hein. Pour les hommes, vous aurez remarqué que vous avez reçu un petit carton avec un fil rouge. Ce fil rouge qui est symbolique dans le monde juif, à savoir qu'il vous protège de tous les malheurs et qu'il vous protège tout simplement. Portez-le à votre poignet. Ma sœur Marianne m'a assistée pendant 15 ans pour la France et la Belgique principalement. Chacune des attachées de presse possédait la connaissance de plusieurs langues européennes. Elles étaient principalement linguistes. Je les ai formées au métier des relations publiques. Merci Cécile et Marianne d'être des témoins de ces années qui furent plus qu'intéressantes. J'en profite pour passer le bonjour de ma sœur Simone, qui a accompagné son mari Marcelo à un congrès de cardiologie à Barcelone. Elle vous embrasse tous. Et maintenant, il y a la jeunesse, les nièces, les neveux, les petites nièces, les petits neveux de Belgique ou d'Israël. Toda rabba al kol hazman keshe anachnu mevalim be'yechad. Merci Nadine, oui. Il y a aussi nos filleuls que nous pouvons suivre mieux puisque nous sommes retraités. Enfin, moi, je suis retraitée. Ephraim, il continue comme s'il avait 25 ans. Aujourd'hui présents, ce sont Stéphane, Rafi, Amos. Bravo. Et on vous suit et on vous suivra. Après le service dessert, ne bougez pas. Il y aura une performance de notre Rafi Rosenfeld qui est à la veille d'un départ d'une année à Paris pour se lancer en tant que compositeur-chanteur. Nous lui souhaitons bonne chance et c'est lui qui va donc animer l'entremets, c'est-à-dire entre le plat principal et le dessert. Et il faut savoir qu'après le dessert, il y aura peut-être encore quelques interventions. Si vous avez envie de dire quelques mots, il faut venir d'abord chez moi pour que je vous mette sur le programme. Toda ruti hamora sheli leivrit zot safa kasha meot. Ani mekava shehashiurim shelanu yamshichu bekarov. Merci. Mon mari, c'est en réalité Henri II. Témoin de ma vie avec Henri Ier, il y a très longtemps, Cathy Tugendhat, merci de ta présence. Et moi, j'espère qu'il n'y aura pas d'Henri III. Hein.
Henri II, c'est Ephraim le prénom qu'il préfère et qu'il a hérité au Dror Achalutzi, un mouvement de jeunesse de notre communauté, où il a passé 10 années de sa vie pour y devenir moniteur avant ses études supérieures. À une autre période, c'est au Dror que j'ai commencé mon engagement dans la communauté juive. Je connais Liliane Charanzowski de cette époque. Puis devenir monitrice à la colonie Amitié du CCLJ où j'ai rencontré André Jaberbaum. Il est où André? Plus haut. Voilà, on vous a vu. Et à l'époque, qui est un ami de Joseph et Myriam. Joseph et Myriam, mon beau-frère et ma belle-sœur, notre famille proche de Bruxelles. Le monde est vraiment petit et notre communauté encore plus. Je ne peux pas manquer de parler de notre Gisèle Flax, seule survivante de 2 couples d'amis de plus de 50 ans. Dont mes parents, Ironam et Brarin, elle nous honore de son travail de mémoire en écrivant un livre sur son vécu d'enfant caché en Pologne, qu'elle raconte dans les écoles de France et de Belgique, grâce à son éditrice, Véronique de Montfort, remplacée aujourd'hui par le directeur des éditions Jourdan, Alain Jourdan. Merci de votre présence. Bravo à toutes les, à toute la famille Jourdan et merci de votre présence. Comment oublier l'amitié de Viviane Blindbaum? Viviane. Depuis notre engagement dans le Young Leadership du Keren Hayasot Solidarité avec Israël et son aide à représenter l'Ordre Belgique lors d'une mission de Woltor durant ma convalescence des pontages au cœur en 2018. Après avoir produit les 2 magazines pour les 70 ans d'Israël, dont des copies sont disponibles aujourd'hui ou à la demande aussi pour la version numérique en français et en anglais. Donc une petite table là-bas avant les bougies. Qui display ou sont displayés ou sont présentés les magazines dont je parle et aussi les livres d'or de la journée si vous voulez écrire un message. Alors, qu'est-ce que je voulais dire encore? Ah, vous l'avez sûrement remarqué, je voudrais vous présenter Nicolai Blom. Le photographe et le caméraman qui m'assiste depuis des années, c'est lui qui a produit Ligala pour les 75 ans de l'Ort. En Belgique, il va, nous, Ephraim et moi, photographier avec chaque table. S'il vous plaît, réagissez. Je n'ai pas pu tous vous présenter, mais si vous êtes présents aujourd'hui, c'est que vous faites partie de nos vies. Vous avez partagé des actions pour le travail de mémoire, pour la lutte contre la désinformation, et ce n'est pas fini. Car Alexandra Bourla s'occupe des Justes parmi les Nations pour le Musée juif de Belgique. Nous coopérons sur un projet, vous serez informés en temps utile. Merci. Et pour mentionner le côté d'Ephraim à part sa famille et ses cousines et neveux et nièces, il y a aussi Gaëlle Van Morleghem, Evrard, la fille de Claude, qui a connu Ephraim à l'Athénée. Ils ont évolué ensemble professionnellement et nous sommes très proches. Sans parler de JP, le mari de Gaëlle, qui est mon concessionnaire Renault personnel. Merci à tous d'être venus fêter ensemble la joie, l'amitié, l'amour, les anniversaires. Que nous soyons tous protégés, nous et nos familles, pour profiter encore plus des bonnes choses de la vie en bonne santé. Amen. Et puis, pas fini. Merci, c'est le mot que j'adresse chaque jour au Tout-Puissant. Cependant, je pense aux personnes proches qui ne sont plus de ce monde et qui nous manquent et qui peut-être nous observent de là-haut. Nous espérons aussi que la recherche médicale évoluera pour que nos amis atteints par la maladie recouvrent la santé très bientôt. Abi Gizint, Ephraim et moi-même, nous souhaitons à tous Mazal, la chance que le destin nous protège tous et nos familles. Tu veux ajouter quelque chose, Ephraim? Bon appétit et l'Echaim à tout le monde.
je voulais absolument vous présenter le chef. Le chef étoilé. Bravo! Voilà. Et c'est donc M. Philippe Rodart qui est l'ancien chef étoilé du Petit Zinc d'Anvers et qui dorénavant se trouve ici. Bravo, bravo, merci beaucoup. Et ce n'est pas fini, et ce n'est pas fini puisque nous attendons la suite. Merci, merci beaucoup. Tu veux qu'on fasse la liste? T'as quelques jours devant toi? Hier on a fait du vélo. Alors j'ai l'impression que le chef nous prépare une surprise à l'américaine. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc c'est pas pour nous, c'est pas pour nous, c'est pour les chiens. Et l'enfant n'est pas encore le paradis sur terre. Je m'appelle Raphaël, je suis le filleul d'Ephraïm et Charlotte, et je vais vous chanter quelques petites chansons aujourd'hui, accompagné d'autres personnes aussi. Que paso? Plus fort? Ici, ça va? Oui. C'est bon, okay. Ah, c'est parfait. Droit, si on l'entend. Ok. On va juste faire un petit test avec le son ici de l'ordinateur, télévision, je ne sais pas trop ce que c'est. On va voir un petit peu. Peut-être qu'il faut un stylo. Ah, maintenant, oui. Magnifique. Nous, on nous a déjà tous présenté, je pense que ça va là. Oui, Charlotte va chanter après, vous inquiétez pas. C'est pour ça qu'il ne faut pas partir tout de suite. Voilà. Parce que Charlotte va chanter après. Voilà. Entre chanteurs, on va s'entraider. Alors, on va essayer de faire au mieux. Alors, vous voyez, il y a les paroles qui sont là, donc n'hésitez pas, pour celles et ceux qui connaissent. C'est en anglais. Voilà. À chanter avec moi, du coup, ça. I wanna take you somewhere so you know I care, but it's so cold and I don't know where. I brought you daffodils in a pretty string, but they won't flower like they did last spring. And I wanna kiss you, make you feel alright. I'm just so tired to share my nights. I wanna cry and I wanna love, but all my tears have been used up on another love, another love. All my tears have been used up on another love, another love. Yeah, all my tears have been used up on another love, another love, and all my
dit oh, oh, mais voilà, on n'est pas obligé de le faire. And if somebody hurt you, I wanna fight, but my hand's been broken one too many times. So I use my voice, I'll be so damn rude, but they always win, but I know I lose. I wanna sing a song that it be just ours, but I'm singing on to another heart. I wanna cry and I wanna learn, but all my tears have been used up on another love, and all my tears have been used up on another love, another love, and all my tears have been used up on another love, and all my tears have been used up. Oh, yeah. Merci. Oh. Paroles, si jamais vous avez oublié, mais je veux quand même vous entendre un petit peu. Wise men say, magnifique. Only fools rush in, but I can't help falling in love with you. Shall I stay? Would it be a sin if I can't help falling in love with you? Like a river flows surely to the sea, and darling, so it goes. Yes, some things are meant to be. Take my hand, take my whole life too. Falling in love with you, like a river flows surely to the sea, and darling, so it goes. Some things are meant to be. Take my whole life too, for I can't help falling in love with you. For I can't help falling in love. Bravo à vous, bravo. Et voilà, donc je vais chanter la prochaine chanson qui est un petit peu plus moderne, mais qui est tout aussi connue, je pense. Voilà. Donc, de nouveau, n'hésitez pas à chanter là-bas au fond. Tout le monde. C'est en anglais, ouais. Ouais. Tu connais pas? Si, tu connais. Tu peux venir chanter aussi si tu veux. Tell me something, girl. Top. Are you happy in this modern world?
Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'm falling. In all the good times I find myself longing for change. And in the bad times I fear myself. Bravo. Faut venir avec moi si vous voulez. Tell me something, boy. Aren't you tired of trying to feel that void? Or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? And I'm falling. In all the good times I find myself longing for change. In all the bad times I fear myself. I'm of the deep end. Watch as I dive in. I'll never meet the ground. Crash to the surface where they can't hurt us. We're far from the shallow now. In a shallow. In a shallow. In a shallow. Far from the shallow now. Attention, on va passer à l'octave au-dessus, vous êtes prêts? Charlotte, en commençant le discours, chacun son métier, et pour certaines personnes, les paroles, c'est un métier. Pouvoir parler devant les gens, c'est quelque chose pour moi, pas vraiment, juste parfois en intermittence, comme ça, entre deux, trois morceaux, mais pour moi, chanter, c'est ma façon de communiquer, de vous communiquer mes sentiments, et c'était pour ça que c'était important pour moi de chanter pour l'anniversaire de Charlotte et Ephraim aujourd'hui. Donc, merci beaucoup. Et maintenant, je vais appeler Romy. On peut l'applaudir bien fort. Une des nièces de Charlotte et Ephraim qui va aussi chanter une petite chanson. Petite nièce. Round and around.
On va donner la parole à Cécile Vermeeren qui assiste pour parler. Donc, je suis très curieuse. Parce que ça, c'est la période CGP, puis c'est devenu CGP Europe. Donc, merci Cécile, en tout cas, d'avoir préparé un texte. Tu verras après, si tu dois. Oui, merci. Oui. C'est vrai. Je t'en prie. Oui. Charlotte et Ephraim. Sans savoir si ça sera de bon goût, mais tout en sachant que c'est de bon cœur, j'ai quelques mots à vous adresser, chère Charlotte et Ephraim, à l'occasion de cette fête d'anniversaire. Commençons par la dame, pour l'avoir côtoyée bien plus, mais je m'adresse aussi à toi, Ephraim, car ce qui concerne Charlotte te concerne aussi en tant que mari attentif. Alors avant tout, je vous souhaite une joyeuse année en plus, car comme le bon vin, avec les années, les bons crus bonifient. Et aussi, comme le bon vin, vous avez le don de rassembler. Vous aimez la fête, mais aussi vous aimez sans compter le travail, l'engagement et le partage. C'est ce qui fait votre jeunesse. Je m'adresse à toi particulièrement, Charlotte, en souvenir de ces années lointaines et pourtant si proches lorsque je te voyais et que tu étais le chef. Ces années durant lesquelles tu nous effrayais. Je parle des années CGP. 36 idées à la minute et le travail à accomplir pour la veille et tes yeux qui roulaient comme agacés, tu me tétanisais. Tu arrivais à tes fins et nous avec toi, car nous formions une belle équipe de jeunes femmes heureuses de travailler ensemble. Et les souris parfois dansaient quand le chat se promenait. Puis, tu revenais tambour battant de toutes sortes de contrées. Nous étions au garde à vous, et gare à qui éternuait ou reniflait, car ça, c'était la fin des haricots. Je crois que c'est toujours pareil, non ? Alors, quand les résultats étaient bons, tu exprimais ton contentement. Et si, tu avais tous les atouts pour terroriser, tu avais le cœur aussi. Gutmann. J'ai adoré cette chance que tu m'as donnée. La confiance était chez toi un atout. Et advienne que pourra, l'univers est là, ta secrète devise. Je pense que toutefois, tu as certainement dû avoir quelques inquiétudes, passer quelques nuits courtes ou blanches. Car quand on est spécialiste en pyrotechnie, quand on est artificienne, technique donc de la fabrication et de l'utilisation des matières explosives et feux d'artifice, spécialiste en son et lumière, comme toi, je ne pense pas que tu permettais la grande zénitude sous ton toit. Et allez, hop, on y va, on plonge et on verra, et ça paie. Mais comment ? En monnaie sonnante et trébuchante ? Non, pas tout à fait. Elles sont pour toi un moyen, mais pas un but en soi, je crois. Alors, comment illustrer ? Un jour, je te disais, comment vous remercier Charlotte pour la confiance ? Ta réponse correspondait à ceci. Que la reconnaissance, le merci en retour de ce que l'on donne, de ce que l'on offre, ne doivent pas être attendus comme devant venir de la personne à qui l'on donne, car cela nous reviendra de manière détournée par un autre biais. J'ai trouvé ça très joli, mais pas si évident tout de même. Et ces quelques mots me font comprendre ton énergie débordante quand il s'agit de t'engager dans tout ce qui te semble important et tous ceux qui t'ont semblé importants et dignes de confiance. C'est le cœur qui te guide et le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. Alors, voilà, je peux peut-être prendre le risque de dire qu'Ephraim, pour le coup, entre en scène. Avec une saine raison. Alors je dirais qu'Ephraim, c'est la bonhomie, la force tranquille, l'eau d'un lac. Fichegroune dans le lac, le poisson prospère.
qu'est-ce que j'ai marqué? Je ne sais plus. Il faut un peu d'eau dans tout cela pour calmer le feu. Même peut-être un peu de l'eau dans le vin. Le calmer, pas l'éteindre. Il est bien trop beau et vivant, lumineux, précieux. Mais l'eau est là pour compléter votre univers. Le feu, l'eau, la terre, oui, la bonne chair, ça compte. L'amusement et le ciel aussi, il a toute sa place. Votre univers complet rempli ou aussi l'humour est de mise. Ça aussi, Charlotte me l'a dit, l'humour dans un couple a toute sa place, Cécile. Pouvoir rire ensemble. Tu me l'as dit à la sauvette, hein, bien entendu. Un jour, nous nous promenions dans l'Axis Park et Frame devant nous qui parlait à quelqu'un en marchant. Charlotte t'observait. Regarde comme il est incroyable. Regarde ce qu'il a mis sur pied, là, si simple, sans prétention. Charlotte me disait son admiration et je dois dire que je suis restée estomaquée de voir que tu étais un faux genou. Il cache bien son jeu, le chenapan. Et hop, elle est passée à autre chose. On ne s'attarde pas chez les Fischgrund Gutmann. Alors, pour en venir à nos moutons, vos anniversaires. Je voulais vous raconter qu'il y a au Japon, sur l'île d'Okinawa, une communauté de centenaires. La recette, naturellement adoptée pour atteindre cet âge normal, serait la suivante. Je ne tiens pas à vous mettre la pression, mais à titre d'indication. Premièrement, continuez à travailler bien longtemps. Pas de souci. Faire une petite promenade quotidienne et matinale d'environ 30 minutes. Point d'interrogation. Ne pas avoir d'horaire contraignant, la faire cool en deux mots. Je sais pas. Avoir un strong network of friends. Pas de souci. Manger une portion de viande pour 4 portions de fruits et légumes. J'ai des doutes. Faire un sport, genre jouer à un mystérieux jeu de balle. Là, pour le coup, je ne vous imagine pas trop. Mais bon, vous êtes joueur, ça devrait aller. Mais j'invente pas hein, tout ça, c'est bien vrai. Hein. Alors, faire un peu de jardinage, je ne sais pas. Et, très important, le soir, le coucher de soleil sur la plage. Vous pourrez commencer ce soir, le cadre s'y prête, vous êtes sur la bonne voie de la longévité. Voilà, Charlotte et Ephraim, c'est quelques mots pour vous dire mon affection, mon admiration et ma gratitude, et surtout pour vous souhaiter de garder votre enthousiasme et tout ce qui fait que vous êtes comme le bon vin, et ce, pendant longtemps. Le ciel vous le rendra. Et vive à Charlotte et vive à Ephraim. C'est ton plus beau discours. Je voudrais dire que je suis très émue par le texte de notre Cécile. Elle est incroyable. Elle est incroyable. Et donc, je pense que c'était une rencontre réussie pour ma part. Ça va se terminer par le dessert et après on sortira au jardin pour ceux qui le veulent pour le café, thé, mignardise. Ce que je voulais dire encore, c'est que vous avez vu défiler certaines photos. Et une d'entre elles, c'est la publicité pour le spectacle le 10 novembre de Richard Ruben au Cirque Royal. J'ai pris une centaine de places pour les amis de l'Ort, à savoir que c'est un peu plus cher que les prix des places au Cirque Royal en direct. Pourquoi ? Parce qu'après le spectacle, il y a une réception avec l'artiste pour les amis de l'Ort. Il me reste quelques places. Si cela vous intéresse, n'hésitez pas à m'appeler. Voilà, c'est 50€ la place. Voilà, c'était la petite publicité pour l'Ort. Je ne pouvais pas le manquer. En tout cas, mille merci à tous d'être là, d'avoir été là. Qu'est-ce que tu veux dire ? C'est qui ? Oui, oui. Oui, mais avant, il y avait des bébés. Ah oui, c'était les chiots de Tarzan et Jane, je crois. Si je me souviens bien. On n'a pas mis les noms. Voilà. Voilà. En tout cas, à tout de suite. Hein.